Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir 5 bonnes raisons de passer à l'action aujourd'hui. C'est parti! D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finance et Frugalisme. Le frugalisme, bien évidemment, c'est tout l'opposé des radins. Les radins, eux, ils se privent, ils se serrent la vis, alors que nous autres frugalistes, nous essayons justement de tirer le maximum de chaque euro qu'on a dans notre porte-monnaie, mais sans nécessairement se priver. On met plutôt la priorité sur les expériences, sur les moments qu'on va s'acheter, plutôt que sur des objets ou sur le matérialisme, des objets dont on n'a pas forcément toujours besoin, des objets qui nous rendent heureux pendant quelques minutes, ou quelques heures, mais qui très vite sont démodés, parce qu'il y en a un nouveau qui est sorti. Bon, ben voilà, nous, on n'est pas là-dedans. On essaye de pas être trop victime du marketing, même si, en toute humilité, il faut reconnaître qu'on l'est tous à des niveaux divers. Seulement, si tu souhaites t'engager sur le chemin de l'indépendance financière, tu l'as bien compris et tu commences à le savoir probablement, le frugalisme est bien à faire des économies, quand bien même tu ne te priverais pas, ça n'est pas suffisant, il va falloir que tu mettes ton argent, que tu mettes cet argent justement en action, le faire travailler à ta place au lieu que ce soit toi qui échanges ton temps de vie contre de l'argent. Ça va passer par arriver à acquérir une certaine expertise dans des domaines aussi particuliers que l'investissement immobilier, physique, papier, également la bourse, mais également aussi l'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler de 5 bonnes raisons, 5 raisons essentielles qui font que tu devrais passer à l'action aujourd'hui. C'est vraiment important de comprendre ça, c'est que quand on se lance dans ce genre de démarche, quand on se lance dans l'investissement, en fait, c'est pas une démarche qui va être un sprint. On va pas faire des coups, on va faire un marathon. C'est quelque chose qui s'envisage sur le très long terme. C'est même pire que ça, en fait, c'est un mode de vie. C'est une manière de voir les choses, c'est une manière de voir le monde qui fait que d'un seul coup, tu retrouves tes lunettes et puis tu recouvres la vue et tu vois plus du tout ton entourage, le monde qui t'entoure de la même façon. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et ça a été un véritable choc. D'autres personnes avec qui je discute, notamment Anne, avec qui j'ai discuté ce matin, me le confirmait. Pour elle, elle l'a vécu exactement de la même manière. Elle découvre des trucs et elle voit plus du tout le monde de la même façon. Ça a été pour moi le premier choc. Le deuxième choc, ça a été le jour où j'ai eu la chance et le bonheur, je te souhaite vraiment de vivre ce moment, de percevoir mon tout premier loyer. Et là, tu te dis, ça y est, c'est plus moi qui bosse pour mon argent, mais c'est mon argent, ça y est, qui bosse pour moi. Là, ça a été vraiment te dire, ouais, ça y est, en fait, c'est possible, c'est pas des bêtises. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver comment améliorer le truc, comment faire mieux, comment optimiser. Mais voilà, la mécanique, le gros du truc, ça y est, on a compris. Waouh, ça c'est vraiment, je vous souhaite à tous, hein, et à toi en particulier qui regarde, de comprendre ça. Alors j'ai pris mes petites notes comme d'habitude et on va passer en revue ces 5 bonnes raisons de faire en sorte que tu passes enfin à l'action. La première évidemment, c'est de préparer ton avenir. L'avenir, il est hyper incertain, hein, aujourd'hui plus que jamais. On va pas se mentir, c'est chaud, on n'arrête pas de nous expliquer qu'il y a une crise économique majeure qui va nous exploser à la figure avec des centaines de milliers de jobs qui vont disparaître. Bon, et on va pas se mentir, c'est très simple. Si tu perds ton job aujourd'hui, tu vas te retrouver avec les aides de Pôle emploi pour t'en sortir et puis ça va être serré parce que ça va pas compenser la totalité de ton salaire que tu avais auparavant. Et puis si t'as plus ça, tu vas te retrouver avec le RSA, donc là c'est encore plus touchy. Bon, voilà, t'as peut-être des crédits en cours, t'as peut-être des dettes en cours, c'est compliqué. T'as compris que si t'as que ça comme source de revenus et que pour une raison ou pour une autre, tu peux plus bosser parce que t'as perdu ton job, ou bien parce que t'as un accident, tu peux plus travailler, j'en sais rien, tu vois, n'importe quoi, on sait pas de quoi la vie est faite. Eh ben, ça craint. Le plus important pour moi, c'est la sécurité. On peut se dire, allez, vas-y, partons à l'aventure et allons conquérir le monde. Ouais, je veux bien, mais la vérité, c'est qu'avant de vouloir s'embarquer à conquérir le monde et à devenir milliardaire, il faut peut-être essayer de poser des bases qui sont saines, solides, fiables, et de sécuriser déjà ta situation. Sécuriser ta situation, ça va passer par les 4 piliers du protocole 4P dont je parle dans ma formation, que j'explique en détail, c'est-à-dire bien évidemment arriver à maîtriser complètement l'effet levier,
Ensuite, arriver à complètement maîtriser et comprendre et mettre en action la mécanique des intérêts composés. Donc, on voit ça, hein, comment on arrive à l'utiliser. Ensuite, bien évidemment, le frugalisme, apprendre à en faire plus avec moins, c'est-à-dire vivre en dessous de ses moyens, mais sans se priver. Ça a l'air facile hein, comme ça, ça a l'air simple, mais quand on commence vraiment à mettre le nez dedans, ça l'est beaucoup moins. Et puis enfin, quelque chose qui est essentiel pour ta sécurité, c'est d'apprendre à diversifier de manière intelligente tes actifs. Hein. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on ne met pas tout son argent dans la même monnaie. Hein, voilà. Et on ne met pas tous ses investissements dans la même classe d'actifs. Voilà, ça, c'est des notions qui sont vraiment essentielles et basiques et sur lesquelles vraiment on essaye d'aller en profondeur dans le cadre de la formation. Continuons la deuxième raison, la deuxième bonne et excellente raison qui fait que tu devrais passer à l'action dès maintenant, c'est bien évidemment d'arriver à préparer ta retraite. Moi, je suis né en 81, je suis d'une génération où mes parents, à l'école, tout le monde nous a bassinés en nous disant tout le temps, ta retraite, niette, t'auras 0, 0, 0 et 0. Bon, et ben tu vois, cette perspective, je l'ai tellement intégrée depuis tellement longtemps que ça fait que je compte pas dessus et que ma retraite, j'ai bien l'intention de me la constituer. Si j'ai une retraite, si j'ai la chance d'avoir une retraite, eh bien, je le prendrai comme la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire exactement de la même manière que quand je fais un investissement immobilier locatif. C'est-à-dire que moi, j'anticipe mes investissements par rapport à la rentabilité que je vais obtenir, mais certainement pas par rapport à la plus-value. Je suis investisseur, je ne suis pas spéculateur, je ne sais pas spéculer. C'est la raison pour laquelle je n'achète pas dans les grandes villes comme Paris, par exemple. Parce que ça, c'est une approche qui est complètement spéculative. On peut gagner beaucoup d'argent quand on fait ça, mais en tout cas, ça n'est pas mon expertise, ça n'est pas quelque chose que je sais faire, et c'est encore moins quelque chose que je vais recommander, parce que de toute façon, je me garderais bien de dire aux autres ce que je ne sais pas faire par moi-même. Je ne parle que de ce que je fais. Voilà. La troisième bonne raison d'arriver à vraiment te passer à l'action pour... apprendre à te constituer un patrimoine, c'est parce que tu voudrais transmettre à tes enfants, à ta famille, à tes proches, à ceux que tu aimes quelque chose. On va pas se mentir, un gamin qui a 20, 25 ans et qui se lance dans la vie, ben, quand il a la chance de pas avoir un loyer de 700, 800 balles à payer pour arriver à s'en sortir, ben, c'est quand même un sacré fil à la patte. Ça pourra lui permettre lui-même d'avancer, d'aller beaucoup plus loin. C'est essentiel. On le sait bien, les gens qui ont la chance de venir d'un milieu où il y a plus d'argent, donc, et qui ont pas tous ces problèmes de ressources dès le démarrage, eh bien forcément, ils ont une trajectoire qui va être beaucoup moins difficile pour leur vie. Et on leur veut du bien, donc forcément, on va tout faire pour essayer de les aider. C'est une des manières les plus efficaces. La quatrième bonne raison, ça concerne toujours tes enfants, c'est de leur inculquer une éducation financière. Je m'explique. Un enfant qui vient d'une famille ou d'un milieu social dans lequel les parents sont déjà commerçants, dans lequel il y a un oncle qui est dans le business, dans lequel il y a, j'en sais rien, une sœur, un tonton, machin, qui s'y connaît dans la bourse. Il démarre pas avec les mêmes chances, avec les mêmes cartes en main que quelqu'un qui vient de parents qui n'ont jamais été investisseurs. Personnellement, ça a été mon cas. Je viens pas d'un milieu où on m'a appris comment faire, etc. Je me suis formé moi-même. Et quand tu te formes par toi-même, bah déjà, forcément, tu vas commencer à passer à l'action beaucoup plus tard parce que tu auras les déclics et les réflexes qui vont arriver avec le temps, alors que si tu avais eu la chance d'accéder à tout ça beaucoup plus jeune, bah, tu aurais gagné des dizaines d'années, hein, voilà. Et également des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Ce que je veux te dire, c'est que si j'avais investi dans mon premier appartement à 20 ans, tu vois, en faisant un emprunt sur 15 ans, ça veut dire qu'à 35 ans, j'aurais eu déjà au moins un premier appartement, un deux pièces complètement payé qui m'appartiendrait à 100% et sur lequel j'aurais zéro dette. Elle est là, la différence. On va pas se mentir. Elle est là. Et c'est... Alors que quand tu te réveilles à 30 ou 35 ou 40 ans, bah forcément, ça veut dire qu'il y a les 20 premières années, entre 20 et 40 ans, où ben, tu as été dans une approche de consommateur plutôt qu'une approche d'investisseur. Pour que tes enfants ils arrivent à obtenir une éducation financière qui soit efficace, la seule manière, hein, il n'y en a pas 50, la seule et unique manière, eh ben, c'est... qu'ils baignent dans ce milieu-là. C'est-à-dire que toi-même, en tant que parent, tu passes à l'action. Cinquième bonne raison de passer à l'action, dès maintenant, évidemment, c'est de gagner ta liberté financière, c'est de retrouver ton indépendance et c'est de ne plus souffrir dans ton travail. On est tellement nombreux à avoir souffert dans un job, à souffrir dans le job. Moi, je n'oublie pas les gens chez Orange, hein, en 2 ans, 24 suicides. Voilà, moi, je les oublie pas, tous ces mecs-là. Je sais que la souffrance au travail, elle est de pire en pire. Il suffit de voir les chiffres, les stats, c'est juste à tomber par terre, c'est vertigineux.
on peut s'affranchir de ça. Voilà, c'est le message que je souhaite vraiment te faire passer dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est que souffrir au travail et échanger ton temps contre de l'argent pour un truc qui n'a plus aucun sens à tes yeux, où tu t'ennuies, où tu vois pas d'évolution, où tu te sens pas bien, bah, si c'est le cas, tu peux peut-être essayer de changer de boulot pour aller dans quelque chose qui va mieux coller par rapport à tes attentes, tes objectifs et ta situation. Mais encore une fois, ça va pas changer le fait qu'à l'issue de ça, il faut que tu arrives à t'en sortir, quoi. C'est ça le truc. Et ça passera forcément par générer des revenus alternatifs, ça passera forcément par apprendre à vivre autrement, par apprendre à ne plus être uniquement un consommateur, mais être aussi acteur en quelque sorte, en passant vraiment à l'action. Voilà, c'était Jérémy, cette chaîne s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Si tu veux passer à l'action et que tu as vraiment envie de faire en sorte que ce soit ton argent qui bosse pour toi et puis toi qui échanges ton temps de vie contre de l'argent, je rappelle que j'ai mon programme de formation, plus de 10 heures de vidéos pour vraiment t'aider à comprendre ce qui se passe et surtout comprendre comment agir. Agir, c'est essentiel. Si tu restes là uniquement spectateur, ça ne marchera pas. C'est la raison pour laquelle dans cette formation, il y a 90% d'action, de travail de ta part. Je ne voudrais pas essayer de donner une espèce de recette de cuisine toute faite. Je pense qu'il n'y a que en essayant d'apporter de la valeur particulière aux gens qu'on peut essayer de les aider dans leur quotidien. C'est vraiment mon objectif, c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Et je suis persuadé que c'est la seule bonne solution. Voilà, c'était Jérémy. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, lâche-moi un pouce. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi, tu as des bonnes raisons de passer à l'action. N'hésite pas, fais-le aujourd'hui. C'est probablement le plus beau cadeau de Noël que tu puisses te faire, je pense. J'en suis même convaincu. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Merci, salut, ciao.